Je me présente. Charles Vardin, astrophysicien et touche-à-tout. J'étudie depuis plus de 40 ans tous les événements passés, présents et futurs de notre univers. Cette nuit, nous avons assisté à un événement incroyable, la sortie des eaux des Colosses. Ces créatures de la famille des Inquiétants avaient disparu d'Alsace depuis la construction de la grande dalle couvrant le canal du Rhône-Rhin. À présent, l'un se trouve sur le chantier du square du général de Gaulle. L'autre est encore en partie immergé dans les eaux du canal. Mais n'ayez pas peur. Ces colosses sont des créatures pacifiques. Quand ils se montrent, en général, c'est pour nous prévenir d'une catastrophe climatique. À moins qu'il y ait une autre explication. S'ils sont sortis de l'eau aujourd'hui, c'est peut-être pour rejoindre la filature et assister à la première édition des Nuits de l'Étrange, là où se réunira tous les zombies, fantômes, vampires et autres freaks. Ah, j'en frissonne déjà d'une excitation morbide, mais absolument délicieuse. Je vérifie mes intuitions et je reviens vers vous. Étrangement vous.